En direct. Bonjour. Ça va? J'attends que vous soyez connectés. Bah, ils le sont. Ah, génial. Bonjour. Bienvenue au réveil matinal, hey, cher coronataire de Coronaland. Hey. Éponine. Éponine, je vous rappelle que ceci est bien plus que du sport. Pour ceux qui veulent simplement du sport, il y a énormément d'offres pour ça. Ici, je veux démocratiser et que les gens aiment. Donc vous avez un niveau qui est très expliqué, un niveau où on s'amuse et un niveau interactif. Donc vous pouvez nous parler, on vous répond souvent. Voilà. Et j'en connais beaucoup. Et vous pouvez nous parler après. Pour ce matin, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau. Ça c'est pour le cardio, 15 minutes. C'est un cardio sans impact. Donc vous voyez, je suis pieds nus. Ensuite, vous avez besoin pour la barre pilates. Voilà, c'est un travail de jambes, d'équilibre. En haut, une chaise. Puis nous irons au sol pour 15 minutes avec le tapis. Le coussin pour adapter la posture pour la tête et les fesses. Ou bien pour serrer à la place du ballon. Et la serviette. La serviette qui aide aux étirements et qui aide aussi à renforcer le dos qui fait une résistance. On y va. Wonderful Life de Emma. Il y a longtemps, je ne vous ai pas dit. C'est notre hymne. Allez les enfants. Ah oui, j'ai oublié, c'est Régine, à la régie. Queen. Allez, comment ça a marché? Je compte sur vous pour trouver la flamme. Vous vous amusez. Hey. Alors, on respire. Et on souffle, on relâche. Étirez-vous. Et on relâche. Hey, 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 hey. Dis-moi des noms qui arrivent comme ça. Hey. Alors. Dans le sens. Les bras sont un peu vers l'avant. Éponine, Sabine, Béatrice, Rumba, Isabelle, Dante, Madeleine. C'est pas Dante, c'est Angelina. Ouais, Madeleine Glouglou est parmi nous. Allez. Si vous êtes un incognito, alors vous pouvez croire je ne sais pas. Que je m'amuse là. Ben oui, je m'amuse, mais avec la technique. Donc je tiens mon ventre, je tiens mon périnée, les épaules passées ouvertes et après, vous savez la folie. Ça arrive dans un cadre. Sinon, ça fait beaucoup souffrir. Et ben là, c'est pareil. Amuse-toi, mais avec la technique. Béatrice, je vais bien. Je sais pas, Jean-Gilbert, il gigote déjà. Au réveil. Alors, Jean-Gilbert, il gigote au réveil. Comment il va? Je vous avoue que j'ai eu des journées difficiles. Je commence à m'organiser. C'est assez intense quand même, hein. Mais je trouve du temps pour moi. Allez, talons. Alors, faites bien attention au genou de terre, vous voyez? Le genou de terre ouvert, dans la diagonale. Attention à ne pas effondrer le genou. Tu es de plus en plus détendu au niveau du look, hein? Ça se lâche! Alors, ce que je ne vous dis pas, la régine à la régie, Queen. C'est qu'elle a travaillé très longtemps chez Prada. Oh, Queen. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Mélange les imprimés, chérie. Ah oui! Voilà, je disais mélange les imprimés, elle me critique. Ah oui, t'as pas compris. Miucha, bonjour. Ça c'est la mode, écoutez bien. Quoi que vous fassiez, vous aurez tort. Parfait. Je m'en fiche. Allez, devant. Voilà, plie. Vers l'avant. Tiens bien ici. Bras opposés. Gros plan. Ah. Côté. Gros plan sur quoi? Alors, je vais vous dire une chose. Vous en avez rien, vous n'en avez rien à faire, mais je vous le dis quand même. J'ai des petits problèmes techniques ce matin. Donc, je ne peux pas trop faire des gros plans parce qu'en fait, mon chevalet... Derrière. Bouge pas très bien ce matin. Bras opposés. Alors, bras opposés, c'est voir. Opposés. Un peu bas le son. Est-ce que ça va comme ça? Mieux? Ok, reviens et... Vous avez vu cette incroyable vidéo de remerciement de l'Opéra de Paris, tous les danseurs. C'est un petit peu comme ça. C'était beau. Croise derrière. Pose, croise, pose et ferme.
Attaquez bien avec le genou ouvert. Le pied aussi. Ça va? Donc, on s'en va. Regarde, à la fin, on va ramener le talon. Pause, croise, pause, et. Je tiens à faire un énorme coucou. Alors, je sais que là, elle dort, mais elle regarde en différé. Nous avons quelqu'un qui nous regarde du Mexique. Oh! Et oui. Donc, abrazos. Ah, Queen Regina, j'aime bien. Queen Regina, je valide, Sylvia. J'en peux plus. Je valide. Je vais la virer. M'en dehors. Faites bien attention à vous, hein. C'est tout ce que vous avez. Eh oui. On attaque avec le pied vers l'extérieur, genou aussi. Tiens bien le ventre. Ok, restez sur place. C'est le maximum que je peux faire pour me décoincer. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais bon, on est quand même à l'antenne. Allez, referme. Referme. Encore. Ah, vous parlez entre vous en fait. Si je vous dérange, vous me dites. Hein. Mais non, les enfants parlent. Derrière. Ça crée des amitiés. Ça crée des amitiés, ça. Arrête de m'interrompre, toi. Ils sont là pour moi. La régine, elle est comme ça. Ouais, moderne. Elle me fait déjà c'est que le majeur. J'essaie de te faire des photos. 1, 2, 3, lève. 1, 2, 3, lève. Lève. 1, 2, 3. Ça va ça, tu l'as? C'est pas trop dur? Et avance. Recule. Je sais, c'est dur pour le cerveau, surtout le matin. Devant. Derrière. Devant. Allez. Te lâche pas, chérie, hein, parce que moi, je peux pas bouger ma caméra hein, aujourd'hui. Hein. Tu vas où, hein? Alors, je vais vous dire un truc. Tu vas où comme ça? La coordination, je peux pas penser à autre chose. Ah, c'est dommage. Lui, marche à gauche. C'est dommage. Voilà, pied gauche. On essaye? 1, 2, 3. 1, 2, 3, lève. Lève. Tac, 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 lève. On l'avance. Et. Ouais, gelé. Et dans la diagonale. Ouais. Et devant. C'est bien. Allez, on s'amuse. Ça va la musique? Je cherche tous les matins, vous pouvez pas savoir. Ça a l'air d'être tombé du nid, ma musique, pas du tout. Et relâche, gauche. Vous allez nous faire juste un double pas là. Double. Double, et vous faites simple maintenant. Oui, ben on est passé de l'autre côté. Je te donne mes trucs, hein. Allez, lève. Tu vois mon genou de terre? Genou de terre dans la diagonale. Penche un peu en avant. Fort les bras. Fort mais élégant. Mais élégant. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a des garçons? Hein? Est-ce qu'il y a mon pourcentage de garçons? Non, il se dénonce pas. Encore. Vas-y. Continue. Ouais. Alors, on fait un V. C'est quoi un V? C'est qu'on écarte et on referme sur quatre temps. Donc on fait ouvert, fermé. Ça va, vous l'avez ça? Et. Ouais. On descend un petit peu, assis. Les fesses en arrière. Les genoux, les pointes dans la diagonale.
Ne laissez pas le genou passer par-dessus les orteils. Asseyez-vous bien en arrière. Et on fait un double pas. Deux. Cinq. On marche à gauche. Et on va commencer l'élevé à gauche. Allez, écarte et ferme. Écarte. Écarte. Et maintenant, on s'assoit. Et. Allez, vas-y, les fesses en arrière. Ouais. Et. Vous sentez bien le travail là, hein? Deux pas. Et. Simple et simple. Et on marche. Mon Dieu! Et quand même, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi. Le pas du confinement. On est dans sa boîte. Écarté. Avance. Avance. C'est bien. On reste assis, hein? Voilà. C'est un confinement avec le plafond qui descend. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Parce qu'on va repousser le plafond. Allez, deux pas. Simple et simple. Et on marche. Écartez les jambes et on reprend de l'autre côté. Allez, gauche. Gauche. Voilà, gauche. Les fesses en arrière. Allez. Asseyez-vous. Et. Devant, devant. Derrière, derrière. Et. Il en reste quatre. Il en reste trois. Il en reste deux. Et c'est l'ultimo. Deux. Simple et simple. Marche. C'est très bien. Tu fais des belles choses. Oh. Comment ça va? Vous voulez le mambo? Ok. Devant et derrière. Voilà, juste comme ça. Vous l'avez? Devant. Allez, avance la hanche. Devant. Avec le bras. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant, derrière et deux pas. Simple et simple. Et on marche. Et on reprend de l'autre côté le mambo avec le pied gauche. Devant, derrière. Vous l'avez? Avec la hanche. Devant, derrière, avec le bras. Et on s'amuse. Allez. Ok, le dernier, le double pas. Double. Et step. Touch. Et on marche à droite. Ouais, c'est bien. Ok, maintenant, regardez, vous serrez, serrez, vous écartez, comme ça, serrez, serrez, écartez, écartez, on accélère. C'est un A, la pointe du A, la pointe du A. Et attention, deux pas, et simple et simple. Alors c'était dur les deux pas si on avait les pieds écartés. On reprend de l'autre côté, serrez, serrez, écart, écart, dernière fois allant. Et là, on accélère à gauche. 7. Et 7. Et 7. Vous entendez qu'il en reste 4? Le dernier, voilà, vous restez là et deux pas. Je suis endormie. Et on marche. J'arrive pas à lever les yeux. Hier, j'étais très endormie, mais j'étais angoissée. J'arrive pas à lever. Vous savez quoi, quand on se réveille comme ça et on ne sait pas. Et bien vous savez quoi, le fait qu'on me dise tu vas sortir, d'un coup comme ça, trop de questions inconscientes dans ma tête. J'ai dit à... faisons minute par minute, pas d'angoisse. Tu vas sortir. Quand est-ce que tu vas sortir? Tout. Tu vas pas sortir. Mais tu vas pas sortir. Et je vais vous dire un truc, si le 11 mai vous me voyez dehors, hein, je vous donne 1000 euros chacun. Je pense pas qu'on va sortir tous, ça va être comme ça tout doucement. De toute façon, moi, les enfants, comment vous voulez que je fasse 6 heures de transport par jour? Je peux pas. Je peux pas être les gens collés comme ça. Je peux pas aller dans les entreprises, chez les particuliers. Je vais faire le tour avec le masque. On va pouvoir trouver quelque chose. Allez, marchez. Alors maintenant, les enfants, vous allez boire. Continuez à marcher pendant que la régine, peut-être, va nous baisser la musique et changer. Et vous allez prendre la chaise. Continuez à marcher, hein. Est-ce que vous arrivez à boire et à marcher? Oui, à part Madeleine. Madeleine Glouglou, c'est très bien faire ça. Elle a eu le Jéroboam d'or. 3 années d'affilée. Tu parles beaucoup aujourd'hui, hein, ce matin. Ouais, vous savez quoi, c'est le monde à l'envers. La régine, elle se lève, elle commence à parler.
Elle se couche le soir, elle part toujours. Et moi, j'ai les oreilles qui éclatent. Je me réfugie dans les toilettes comme d'habitude. Prends ta chaise, j'ai... Personne ne te croit, Jean-Marie. J'ai pas dit ce que je pensais, moi. Je retire. Tu peux baisser la musique, Régine, amour. Alors, tu plies et tu tends. Vous avez vu que j'ai les pieds joints, comme si j'étais à Cayenne avec les boulets. Allez, plie. Et tiens bien les mollets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On n'a pas le popotin, péta ou chinoc. On resserre la taille, on ramène le coude aussi vers l'avant. Voilà. Et le périnée, je t'ai parlé du périnée. Si tu tiens ton périnée, c'est la base de la posture, c'est la base de la tenue abdominale. Je pensais que tu allais dire t'auras un cadeau. Si tu tiens ton périnée, voilà, t'auras un cadeau. Ça y est, ça gratte. Et je voulais vous dire, parce qu'il y a Flore qui m'a écrit, c'est une élève depuis des années. Flore a 3 petites filles. Et là, elle est encore en rééducation périnéale. Et elle n'a pas le kiné. Donc il faut absolument faire ce cours-là, le matin où j'explique beaucoup plus. Et Flore, quoi que tu fasses, tu périmes. Voilà, maintenant, regardez, vous allez tendre et monter. Ah, vous pliez, coque aussi vers l'avant, tendu et plié. Ouais. Vous imaginez que vous êtes tout nu? Pour le ventre, c'est radical, voilà. Et qu'il y a bras de pite avec Léo qui passe. J'ai jamais compris pourquoi vous rentrez le ventre pour Léo, hein. Moi, pour Léo, je sors le ventre. Allez, plie. Lui, il ne rentre pas non plus. Ouais, bah non, non, non. Lui, mais lui, non. J'ai pas compris le phénomène que toutes les filles, elles aiment Léo. Non, 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 non. Encore maintenant? Non. Encore maintenant? Quand j'ai mon popcorn? Non, allez. Encore maintenant? Non, pas juste des chancetés. Non, 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 j'ai la langue acide des fois, il faut que j'arrête. T'es jaloux? Tiens, voilà, je vais taper. T'es jaloux? Alors maintenant, vous allez rester là, vous allez monter et descendre. Vous restez tendu. Ça demande quoi? Que vous serriez la cuisse, le cuisseau. Que la rotule soit remontée. Voilà, le coccyx vers l'avant. La tenue du ventre. Le périnée in full bloom. D'ailleurs, c'est le printemps. Vous savez pas ce que ça veut dire. Tant mieux. Voilà. Oh là 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 là, les enfants. C'est extraordinaire ce que nous filme. Allez, passez de profil. Alors, vous rappelez quand vous êtes de profil, c'est pas la main sur le côté, pas la main en arrière, c'est la main un peu en avant. Allez, pli, tendu. Tendu. Voilà. Si tu veux pointer, tu pointes. Mais si jamais tu es en chaussure, que tu as juste envie de travailler les cuisses, voilà. Moi, je rajoute un petit travail parce que je suis né en pointant. Ça pourrait être une chanson, ouais, t'as raison. Allez, voilà. On met la main là pour baisser l'épaule. Oui. Et maintenant, regardez. Vous êtes là, vous pliez, vous tendez. Vous gardez la jambe devant. Gardez bien le genou orienté avec les orteils. Vous avez le pied agressif, hein. C'est une arme. Voilà. Et si vous avez des crampes, vous faites ça. Hein. Ouais. Allez, l'autre côté. Mireille. Non, Mireille. Non, Jo. Bonjour, comment ça s'appelle? Comment je t'appelle? Régine. Ah oui, Régine, tu peux me donner un mouchoir? Non. Tu n'en as pas? Et avant que je les quitte. Hein. Attends. Allez, on y va? Voilà, là. Je suis pas Pepper Potts, mais je te donne ça. Ok, merci. Pepper Potts, c'est l'assistante pointe d'Iron Man. Je suis pas Pepper Potts parce que tu n'es pas Iron Man. Voyons. Alors, tu sais quoi? Je sais pas de quoi elle parle, mais j'ai la télévision. Allez, restez comme ça. Mais tu n'as pas Canal Plus. Voilà. C'était quoi cet échange invraisemblable? Ce que vous entendez là, c'était Jeanne Birkin qui parlait et qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle s'appelle Jane. Hein? Jeanne Birkin, qu'est-ce qu'elle disait? Jane. Ouais. Non, rien. Je peux pas le répéter exactement ce que c'était, je le dis pas. Non, mais alors là, vous avez la Régine, elle fait comme si un jour on est connu, qu'on est sur le plateau avec Jeanne et qu'on doit s'expliquer devant elle. Alors, vous avez dit, mon Dieu, je vais avoir des choses de moi à dire. Oh là là là. Allez, relâchez. Allez, passez de l'autre côté. Même pas peur. Ouais. Alors les enfants, ce que vous allez faire, vous allez le monter. C'est-à-dire vous pliez, vous allez monter. Mais on va le décomposer. Donc là, contracte et redescend. Donc tendu au sol, tendu en l'air 45 degrés, pause et reviens. Et voilà. Ce que vous allez faire avec l'autre main, c'est juste appuyer sur la cuisse.
Comme ça, vous allez contracter la poitrine et les dorsaux, et ça va vous baisser l'épaule. Et ça, c'est fantastique. Donc, isométrique en haut, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, c'est continu. Et en bas, tu bouges. Voilà, cherche loin tes orteils. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, ça me fait énormément de bien aux jambes, ce travail-là. Hé, tu parles ? Tu as des jambes, tu les utilises, hein ? Oui. Allez, plaque la main. Voilà, plaque. Tu sens que ça se contracte là ? Et là ? Allez, continue. Allez. 1, 2, 3. Et puis la main en avant. Et en l'air. Et il faut trouver une respiration. Par exemple, le quand tu montes, tu souffles comme ça, tu resserres. Et quand tu reviens, tu inspires, tu as moins besoin de tenue. Sans lâcher le périnée. Ça va là comment, mon chéri ? Régine ? Tu m'appelles chérie ? Régine et Régine. Léger, léger. Vous connaissez cette pub ? J'essaye de te faire une photo. Sans la grimace. Attends, il y a Régine qui me fait en photo. Vous savez quoi ? Moi, j'aurais voulu être charmant. Et quand j'ai fait le sourire, on dirait Jim Carrey. Ouais. Vous croyez que c'est parce que mon grand-père était clown ? Dites-le, votez hein. Allez, on va lâcher. Vous ne saviez pas ? Moi, je ne l'ai pas connu. C'est Papisandro. Alors, regardez, maintenant, on est de l'autre côté. On est monté, hein, comme on a pu. On est là, tu appuies bien la main, là. Et là, on va ramener. Et quand tu ramènes, essaie de ramener là, au genou. D'accord ? Tu le sens, ça touche le genou. Allez, et si jamais il y a des crampes, qu'est-ce que tu fais ? Tu ramènes flex et tu pointes. Comme ça, il y a une alternance. Je vais le faire aussi. Allez, souffle, monte. Appuie bien là. Ah, oh, on a un jeune homme. Manu. Bonjour. Manu. Cala. Comment tu sais ? Pas parce que... Manu regarde. Donc ça veut dire qu'il vient de se connecter. Merci. On se demandait s'il y avait des garçons. Maintenant, j'ai vu qu'il y en a un. Il y a des gens qui font le cours en douce. Vous savez, comme si j'étais le surveillant général. C'est gratuit les enfants, vous faites comme vous voulez. Allez tiens, mets la main. Voilà, là. Donc, allongez les orteils et vous ramenez une jambe de terre, solid as a rock. Et là, c'est la Régine qui va chanter. C'était quoi, solid as a rock? Oh mon Dieu. Tu te rappelles pas? Allez, souffle, monte. Appuyez bien la main là, pour baisser l'épaule. Et des bisous, Manu. Et l'envoi de bisous. Moi, quand j'entends Manu, j'entends que la chanson d'Alain Chamfort. Tu n'étais pas né. Manu, Manu, Reva. Manu Reva, c'était le bâton d'Alain Colas qui a disparu en mer. Il a fait une chanson. Ouais. Tu te rappelles quand on avait vu Alain Chamfort? Non, on le dit pas. Non, je n'ai pas vu. Mais oui. Je l'ai jamais vu de ma vie. Bah, Alain Chamfort à la bar mitzvah de la petite, là, de la femme de la télé. Moi, je me souviens pas du tout. Tu te rappelles pas ? Non. On était avec Sonia Riquel, elle t'a tenu le sac. Ah oui, Sonia, ah oui. Oh là là, oh là, elle oublie tout. Là, elle fait tenir son sac Chanel à Sonia Riquel. Chanel, pas Sonia. Bon, tu vois pas que je me balade avec un sac Sonia Riquel. Alors, les enfants, vous êtes là. Regardez. Vous allez ramener et vous allez tirer vers l'arrière. Une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Alors. Comme tout le monde n'est pas danseur, pour aller en arrière, on n'a pas la souplesse de dos. Donc, vous gardez les abdos engagés, donc les côtes dans le bassin. À partir du périnée, vous penchez en avant. Comme ça, tant que vous avez la jambe alignée avec le buste, ça va. Voilà, si vous voulez rester un petit peu plus droit, vous pouvez. Mais ça, c'est vraiment si vous avez la souplesse de dos et la pratique. Attends, ne m'interromps pas parce que j'ai un truc sympa à te dire. Manu dit, c'est ton caleçon qui fait peur aux garçons. Je l'enlève. Touché. Merci! Je suis pas seule dans mon combat. Manu, on a failli être copains. On a failli. Mon Dieu, j'ai toujours pas de copain garçon. Comment ça se fait? Tu plais pas. Pourtant, comme un garçon, j'ai les cheveux longs comme un gars. D'ailleurs, l'autre côté. Vous connaissez pas ça? Mais c'est Sylvie. Ah, c'est nul, hein? Allez, tu déplies et tu t'en vas à l'arrière. Une fois vers l'avant. Finalement, on va peut-être être copain, magnifique, comme t'es jaloux de moi. Je suis pas fière de mon cadrage. Allez, parle à Manu, toi. Ah, Manu ? Ouais. Oh, bah oui. Occupe-le un peu. Pourquoi t'as des crampes, j'espère ?
Manu, tu fais les exercices ou tu regardes seulement? Mon Dieu, j'ai la goutte qui vient de tomber dans le dos. Tu travailles? Qu'est-ce que vous faites après tous? Et quel est votre acteur préféré? Discutons entre nous. Ça va? On relâche? Ok, alors il y a un côté qu'on n'a pas envisagé. On va peut-être le faire face, c'est plus débutant. Les enfants, regardez. Vous allez ouvrir le genou, vous allez le refermer. Voilà. La jambe de terre, vous avez le pied face, comme ça, vous voyez? Vous ouvrez, vous refermez. Si jamais vous avez des crampes au pied, mettez le pied flex, comme ça. Voilà. Évidemment, quand vous ouvrez le genou, vous ne bougez pas le bassin. Donc vous gardez engagé les obliques. Vous voyez cet oblique-là, qui va de là, du bassin, jusqu'aux côtes et vous empêche de bouger. Eh oui, c'est bien fait, là, tu verrais. Ouais. Manu, c'est censé être mon pyjama parce que c'est un programme le matin. Voilà, j'ai enlevé la chemise de nuit, j'ai mis le caleçon. Oh! Manu dit que regarde avec sa chérie. Bonjour la chérie. Chérie, comment tu t'appelles? Bonjour. Manuela. Ah, tiens. Manuela. Manuela? Ah, c'est Manu Manu? Non. Manu, vous savez quoi, au bout de 50 ans de mariage avec Régine. Ah, what? Mariage? What are you talking about? Quand je fais l'humour, elle comprend toujours pas. Mariage? Ok, rumba, Al Pacino, touché. Moi aussi j'aime bien. Dites-nous. Voilà, vous soufflez, vous ouvrez. Moi aussi j'aime bien Pacino. Vous sentez le travail qu'on a fait pour ouvrir? Ah, mais j'ai fait mal. C'est horrible, horrible, horrible. Bon, les enfants, vous allez tous payer pour l'outrecuidance de Manu. Il a osé se moquer de moi. Alors, vous allez faire ça, regardez. Lisou. Oh, là, c'est beau. Vous avez ouvert, hein? Lisou, elle s'appelle. J'ai cru que tu avais dit bisou. Lisou. Bah, Lisou, bisou. Regarde, vous avez trouvé l'ouverture. Très joli prénom. Voilà, maintenant regarde ce que vous allez faire. Vous allez monter sur la pointe des pieds. Et vous allez poser. Ouais, je sais, c'est pas facile. C'est sa faute. Je suis tout énervé, tout énervé. J'essaie de te prendre en photo, fais pas la grimace. Est-ce que vous regardez un petit peu le compte Instagram de Jean-Marie? Allez, de l'autre côté. Avec mes belles photos. En parallèle. Lisou, tu retires et tu ouvres. Tiens bien le centre, périnée, allez on monte sur la pointe des pieds. Et on revient. Est-ce qu'il y en a qui peuvent tenir? Vous arrivez? Essayez, ne tombez pas en arrière, hein. Gardez les obliques engagés vers l'avant. Ouais. Allez, dernière fois. Allez, relâchez. Alors les enfants, vous allez partir de là pour... allez en arrière en tenant ça. Donc vous étiez là. Là vous avez ouvert. Passez derrière. Vous voyez, pas devant le genou mais derrière. Voilà, maintenant, vous allez monter le genou. Vous voyez, imaginez vous avez une coupe de champagne sur le genou. Bah, vous montez et vous gardez le bassin en face. Bah, soufflez et vous avez vu qu'il faut pencher un peu en avant. Justement pour ne pas prendre trop sur la cambrure du dos. Donc tenez bien, penchez un peu en avant. Appuyez vos mains. Voilà. Vous soufflez, vous montez. Les épaules basses, la jambe forte par terre. Allez, restez, restez, restez. Montez, 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 montez. Et vous changez de côté. Là, ouvert. On passe derrière. On monte la coupe de champagne, là. Là, tenez bien le ventre, penchez légèrement. Appuyez les mains pour baisser les épaules et engagez les abdominaux. Le périnée. Allez, relâchez. On étire un petit peu le dos, là. Poussez le ventre en arrière, les côtes. Voilà, vous avancez. Je l'aime bien, celui-là. Je l'aime bien. Quoi, ton caleçon? Mais je l'aime en plus. Que je l'aime. Pose la chaise, pose la chaise. On va se coucher. Et là, Régine... change de musique. J'ai pas... un quart d'heure depuis la J'ai seule. Pas entendu. J'ai pas entendu. C'est normal, je l'ai pas dit. J'ai pas entendu. C'est normal, je l'ai pas dit. Je ne mettrai pas ta musique pourrie. Bon, allez, bois. Tu peux aussi te mouiller comme ça, mettre du savon. Non.
Alors, nous sommes au tapis pour 15 minutes pour tout le travail de Pilates. Alors, on va commencer par l'engagement du centre. Là, ça va pas aller du tout. Il va falloir que tu recules parce que moi, je peux pas bouger. Ah non, mais je vais pas pouvoir reculer beaucoup. Hein. Là, il va falloir que tu penches. Excusez-nous, excusez-moi, voilà. J'ai un problème de caméra, comme alors, je vous disais. Les enfants, le centre, c'est le ventre, le périnée et par extension, l'intérieur des jambes et les fesses. Donc, vous allez mettre quelque chose derrière la tête pour ne pas avoir le cou cassé. Voilà. Mettez les bras en l'air. Et pour être sûr d'avoir une tension dans les bras, vous allez attraper la serviette. Voilà, vous la mettez au-dessus du ventre et vous tendez. Les poignets bien alignés, hein, pas cassés, et vous pliez un tout petit peu le coude. Voilà, vous lavez le coude un peu vers l'avant. Maintenant, vous restez comme ça. Vous allez monter une jambe après l'autre. Et vous allez descendre une jambe après l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive la bascule du bassin pour empêcher de cambrer ou de faire une rotation, et ça part du périnée. Vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, vous descendez la première. Attention de ne pas lâcher, c'est là que c'est difficile. Ouais. Et vous changez à chaque fois de côté qui commence. C'est pour la deuxième jambe qu'on a besoin de plus de tenue, donc beaucoup plus de périnée, bascule et monte. Manu dit qu'un jour, quand il sera grand, il sera comme toi. Faut que tu sois très grand, chérie. Parce que je suis très vieux. Je te rappelle, tu le sais pas, 28 avril l'anniversaire. Si t'as mal au dos, tu mets ça sous les fesses. Manu, là. Mais Manu, il est en train de juste de regarder quoi tu dis ça à lui. Bonne journée. Non, mais je dis à tout le monde. Voilà, si vous lâchez le dos, vous mettez quelque chose sous les fesses. Et autre chose derrière la tête. Ça va ça? Vous l'avez? Quand tu dis vous l'avez, tu fais tellement prof de sport. Ils disent tous vous l'avez. Arrête, change. Non, mais je peux dire, vous l'avez une fois, parce que je fais tellement pas prof de sport. Mais dis-le en anglais. J'étais obligé de dire. Have you got it? Les enfants, vous savez, j'ai un diplôme et j'ai plein de formations. Hein. Ça se voit pas, mais je vous promets. Hein. Ok, super. Alors, maintenant, gardez les jambes en l'air. Alors, gardez les genoux serrés. Vous allez faire un petit test pour voir si ça marche. Mettez les mains ici. Vous voyez que les coudes sont pliés vers l'avant et vous allez ramener les genoux vers les mains. Vous faites une toute petite résistance avec les mains, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. C'est à vous de doser la résistance. Donc vous serrez les jambes, les adducteurs travaillent. Le périnée est engagé pour la base de la contraction abdominale. Si jamais c'est dur pour votre dos, je vous rappelle de mettre aussi un coussin sous les fesses. Et là, vous ne vous occupez que du périnée. Surtout à l'inspiration, gardez cette tenue du périnée. C'est l'impression de le remonter vers le nombril. Vous voyez bien les enfants, dites-moi. Parce que moi, j'ai un vrai problème ce matin avec le cadrage. Allez, on a les jambes en l'air. Maintenant, gardez les jambes serrées. Gardez les bras un petit peu écartés. Et vous allez soulever juste une fesse. Et vous restez. Tirez loin sur les doigts. Gardez bien les obliques engagés. Ce sont les obliques qui maintiennent la posture. Et vous revenez. Vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Vous bloquez pour quelques respirations, sans lâcher le périnée. Et vous revenez. Il se peut que pour certaines courbures importantes, vous ayez besoin de doubler le coussin pour monter plus haut. Et encore une fois, tirez loin sur les doigts. Jambes serrées, la bascule du bassin qui resserre la taille. On ramène le bassin vers les côtes et évidemment le périnée. Et vous revenez. À l'autre côté. Serrez bien la tête. Ok, vous relâchez. Alors, vous allez monter les jambes et vous allez attraper un genou que vous ramenez vers vous. L'autre jambe, vous la descendez sans l'écarter sur le côté. Moi, je me mets un petit peu comme ça pour vous voyez. Voilà. Vous attrapez une jambe et vous descendez l'autre. Alors, le fait de tenir la jambe, ça vous bascule le bassin. Il y a moins de travail abdominal, mais ça vous permet d'étirer ici, vous voyez, ce qui a beaucoup travaillé avec les jambes en l'air. Prenez-le pour ça. Voilà. Essayez de garder les deux hanches au même niveau. On a tendance à monter la fesse du côté de la jambe qu'on tient et à baisser l'autre. Il faut contrecarrer ce mouvement. Resserrez la taille du côté de la jambe qui s'ouvre. Là, vous rapprochez le bassin vers les côtes.
si vous voulez travailler un peu plus, au lieu de tenir le genou, vous l'encadrez, comme ça, là. Si ça tient sur le dos, mettez le coussin sous les fesses, qui est derrière la tête. Et vous pouvez aussi choisir de descendre moins. L'important, c'est ce que vous sentez comme travail. Pas de faire comme moi. Vous êtes unique. Allez, vous relâchez. Alors, gardez les jambes jointes. Descendez la tête. Basculez le bassin. Voilà, la tenue abdominale. Vous ramenez le bassin vers les côtes. Appuyez bien les pieds. Et vous montez tout doucement. Vous vous retrouvez appuyé sur les pieds, sur les épaules. Baissez bien les épaules. Contractez sous les aisselles pour baisser les épaules. Le coccyx vers le haut. Il faut travailler les fesses. Pas l'arrière des cuisses. Les fesses sont solides, beaucoup plus fortes. Donc on bascule, on bascule, on bascule. C'est la contraction des fesses. Vous sentez un peu d'étirement devant peut-être. Continuez à rester. Descendez bien les épaules. Même si ça veut dire descendre un petit peu les bras là. Vous voyez sur les cuisses, pour ne pas avoir les épaules en l'air. Restez, restez encore. Quand vous apprenez les mouvements, si vous les arrêtez, c'est plus facile à sentir et à corriger que d'être dans le mouvement. Il faut d'abord avoir le mouvement immobile. Alors, les enfants, remettez quelque chose derrière la tête. Vous allez étirer une jambe. Mettez les jambes à table. Vous dépliez une jambe. Vous attrapez à la base des orteils. Ramenez bien les orteils. Gardez les deux fesses au même niveau. Imaginez qu'en fait, au milieu du bassin, vous avez comme un, comme sur le trépied là. Il y a une bulle au milieu pour voir si on est bien à plat. Voilà, vous avez la bulle de bricolage au milieu du bassin. Vous l'avez ça? Allez, tirez de l'autre côté. Les épaules basses, les coudes vers les dans les diagonales avant. La cuisse contractée pour ne pas avoir le genou passif. Les deux fesses au même niveau. Vous pouvez résister un petit peu à l'étirement en poussant le pied vers l'avant. Ça étire plus. Mais oui, petit secret. Allez, vous refaites le premier. Alors, le premier, ouais, c'est ça. Et vous allez attraper derrière l'autre. Suivez-moi, je m'étais perdu. Voilà, vous l'avez ça? Donc, vous vous faites sortir comme un bouquet de fleurs, la serviette. Et là, vous allez descendre et revenir. Donc là, vous équilibrez les forces entre la jambe qui pousse et les bras qui tirent. Comme ça, il y a autant de travail derrière que sur les biceps. Allez, les épaules basses. Voilà. Vous revenez flex et vous descendez pointé. Je suis désolée, hein. En train de bricoler un truc. Sans à-coups. Pour ne pas avoir d'à-coups, il faut beaucoup plus de force dans les abdominaux. Périnée à fond avant de revenir. Et relâchez un petit peu, relâchez vos bras et faites de l'autre côté. La même longueur, le bouquet de fleurs, la jambe flex, allez, pointe en bas. Poussez la jambe contre la serviette, vous pliez les bras avec le coude un peu en l'air. De la hauteur derrière la tête. C'est important parce que là, avec tout ce travail de bras, vous risquez d'avoir le cou qui casse énormément. Adaptez la hauteur de la tête. Ok, vous relâchez. Enlevez derrière la tête. Puisque l'on va monter les fesses, il faut descendre la tête. Voilà, remettez-vous sur les talons. Et faites bien attention que les talons ne soient pas trop près des fesses. Il faut moins d'angle droit entre la cuisse. Et le bas de jambe. Je demande pardon. Je demande pardon. Basculez bien. Est-ce que vous êtes à l'aise? Les mains sur le bassin. On ouvre et on ferme. Et si vous ouvrez les deux jambes en même temps, c'est difficile. Je peux changer de diagonale. C'est-à-dire? Tu mets la tête là et les jambes là-bas. Comme ça? Oui. Vous allez manquer. Bisous. Ok, c'est pas trop mal. Là, pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez y adjoindre la serviette. Oups. Oh là là. Pardon.
Est-ce que vous voyez bien comme ça? Dites-moi. Dites-moi. Quelle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi. Ça suffit, regardez, écartez les jambes. Je sais que vous voyez rien, mais elle m'a dit de me tourner. Alors débrouillez-vous, hein. Vous voyez ça avec la gym, hein. Là. Bah oui, mais... Alors, vous écartez et là, vous fermez. Je pense que c'est mieux là, pour... Vous fermez. Voilà, ferme. Voilà, vous ouvrez, mais c'est surtout fermer qui est difficile. Sur les talons. Tendez bien la serviette. Sans lâcher la tenue abdominale, donc coccyx vers le haut. Oh, ok, relâchez. Alors le fait, vous voyez, de travailler les rotateurs vers l'intérieur, interne de la jambe, quand il y a des tensions dans les fesses, dans le dos, ça peut être une bonne approche. Ça peut vouloir dire qu'il y a eu beaucoup de travail de ces muscles-là. Voilà, et on contrebalance. À plat ventre. Alors, avec la ventre, les enfants, vous mettez le coussin sur le bassin, vers le ventre. Là, ça va vous permettre de soulever le buste sans prendre beaucoup sur le dos. Si vous le descendez trop, ça va augmenter la pression. Donc, le bassin, le ventre. Allez, moi, je me mets comme ça. Bon, mets-toi de profil. Vraiment, maintenant. Je pense. Je pense, hein. Voilà, ça, c'est juste. On va commencer avec les bras le long du corps. Soit les paumes vers les cuisses, soit vers le plafond. Les jambes de la largeur des fesses, avec les talons vers le haut. Tendez les jambes. Basculez le bassin, coccyx vers le sol, la tenue du périnée. Vous allez inspirer, ouvrir les épaules. Et en soufflant, vous allez baisser les épaules en tirant sur les doigts. Et vous vous soulevez au ras du sol. On décambre le bas du dos, on décambre la nuque. Pensez vous foncer vers l'avant comme un taureau. Alors vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous revenez, vous posez la joue. Ouvrez la poitrine, les épaules en arrière. Soufflez, vous baissez les épaules et vous montez. Vous inspirez, vous restez. Décambrez bien, tirez sur les jambes et soufflez, vous posez la tête de l'autre côté. Ouvrez la poitrine, inspirez, soufflez, montez. Tirez loin sur les doigts, sur les orteils. Foncez le sommet du crâne comme un taureau. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous relâchez. Allez, une dernière fois, ouvrez la poitrine, inspirez. Soufflez, baissez les épaules et vous montez. Les jambes puissantes, les coccyx vers le sol. Rentrez bien le menton. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous relâchez. Maintenant, pliez les bras. Ramenez les coudes vers le bassin. Et écartez les jambes. Faites une rotation avec les jambes. Vous avez les talons qui se regardent et les genoux vers l'extérieur. Allez, encore une fois. Vous ouvrez la poitrine et en soufflant, cette fois-ci, vous pouvez cambrer un peu plus. Mais vous gardez la taille engagée. Donc, les côtes connectées avec le bassin, le coccyx vers le sol. Vous inspirez, vous restez. Bravo Isabelle. Bravo, et bravo, soufflez, bravo, bravo. Ouvrez la poitrine, inspirez. Voilà, soufflez, vous cambrez. Toute la tenue abdominale. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever un tout petit peu les mains. Mais les avant-bras. Inspirez, vous restez. La nuque dans le prolongement du dos. Et soufflez, vous redescendez. Encore deux. Ouvrez la poitrine, inspirez. Soufflez, allez. Basculez bien le bassin et vous montez. Sentez bien la contraction entre les omoplates et sous l'omoplate pour redresser le haut du dos. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous redescendez. Une dernière fois. On ouvre la poitrine, on inspire. Soufflez, baissez les épaules et vous montez. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous relâchez. Vous mettez à quatre pattes et vous vous étirez. Ah. C'est une excellente transition. Bon, déjà, c'est un excellent exercice, hein, mais c'est très dur à faire à distance. C'est pour ça que je vous assomme de correction. Maintenant, nous avons un quart d'heure d'étirement. Allez, on y va. Vous savez, vous pouvez faire ça à la carte. Comme vous savez que tous les quarts d'heure, il y a ce que j'ai prévu. Cardio, barre pilates, pilates au sol, stretching. Si vous le faites en rediffusion ou en direct, vous pouvez dire si je veux faire que ça, je peux faire 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Ok ? Allez, je bois un petit peu, je vous rejoins. Et faites-en autant parce que la première cause d'accident, ça peut être le manque d'hydratation. Donc pour les tendons, on boit.
Allez, asseyez-vous en hauteur. Voilà. Alors, vous avez la serviette? Regardez. Vous allez armer votre arc. Vous ramenez le pied vers le pubis. Si ça fait mal au genou, faites ça. Ça va? Si jamais vous sentez que c'est très très dur pour la souplesse, regardez. Vous allez sur la chaise ou le canapé. Et là, Régine va me regarder. Là, voilà. Comme ça. On le fait ensemble si vous voulez là. Vous avez un canapé? Sinon, vous le faites au sol. Hein. Voilà. On va vous ramener vers vous, les orteils. Et vous essayez de vous redresser. Ah, ok. Bah, vous prolongez les expirations. Al Pacino, Alain Delon. Serrez bien la cuisse. Et me répondent. Très bien. Qui dit plus, qui dit mieux? Moi, c'est Meryl Streep. Hein. Vous me demandez? Mais je le savais déjà. Non, alors non, j'ai une préférence cagolesque pour Sandra Bullock. J'adore. Pourquoi cagolesque? Parce que je pense que si j'avais été une femme, et je le suis, j'aurais été elle. J'aurais été elle, voilà. T'es prétentieux, hein? Elle est très jolie. Hein. Ben, je suis belle, hein. Quelque part. Somewhere. Over the rainbow. Ouais, après... Arrête. Hein. Arrête, parce que je vais dire les choses. C'est comme au yoga, elle fait exprès de me dire des choses le soir pour que je sorte de mon personnage, pour que je dise des horreurs. J'ai rien dit hier, je n'ai rien dit. Paul Newman, tu as raison, Paul Newman. Lino Ventura, oui, yes. Oh. Ah, je l'ai rencontré une fois, Lino Ventura. Oh, ouais. Tu n'as rien appris? Bah, une grande classe avec sa femme. Moi, c'est pour ça. Marilyn derrière. Je vais raconter. Mon Dieu, arrête. Quand tu as rencontré Louise Brooks, elle était au début de sa carrière. N'est-ce pas Louise Brooks? John Blondell. John Blondell? Ouais. Année 30? Oui. Ça vous dit déjà, John Blondell, Blondell? John Blondell, c'était la chérie de, dans les films de James Cagney, le premier gangster. Blond, c'est ça, ouais. Oui, Blondel. Un peu défraîchi, mais sympathique. Allez, j'y vais en arrière. Jacques Gamblin, yes! Yeah! Bien trouvé. Qui c'est qui a dit ça? Sylvie. Il est simple, il est bien, Jacques Gamblin, il est super. Ah bon? Mais oui. Mais oui. On va lâcher. Oh, tu connais rien, Jean-Marie. Non. Les enfants, on va tirer les fesses. On va apprendre un truc aujourd'hui, parce que franchement, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Pied flex. Voilà, vous faites dépasser la malléole. C'est l'os à l'extérieur de la cheville, là. Voilà, donc vous faites dépasser. Et là, vous allez vous redresser. Mais on ne se redresse pas avec les épaules, on se redresse avec le bas du dos. Donc vous voyez les fesses, vous allez essayer de les reculer. Eh ouais. Quand je passe comme ça. La régie est partie, hein, là, elle est sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai. Mais je suis obligée de traiter des mails quand même. Moi, je suis une femme occupée. Oh, Grace Kelly. Grace Kelly, Alain Delon, Isabelle. Tu mets la barre très haute. Poussez les fesses en arrière. La perfection, quoi. Tu aimes la perfection, ils Isabelle. Ils ont toujours mettre la barre haut, les enfants. Ah, haut. Oh. Ça, c'était une manière de me corriger. Mettez les fesses subtil, en arrière. Subtil, j'ai dit la barre haute. Je veux dire la barre haut. T'es italienne. Greta Garbo. Celle qui se balade toute nue tout le temps? Et ta sex symbol, Penelope? Quelle Penelope Cruz? Ah, j'adore. Alors j'adore les filles, Penelope, les garçons, poussez la cheville contre le genou. Poussez le genou légèrement vers l'avant, mais sans vous déhancher. Et là, vous essayez subrepticement, mais véhémentement, de reculer la fesse que vous étirez. Voilà, maintenant pour aller plus loin, regarde ce que je fais. On joue au jeu des 7 erreurs, regarde bien. Tu l'as vu? Je le refais. Voilà, bah voilà. Tu ramènes les orteils vers toi. Alors, déplie ton dos de misère. Grandis-toi, c'est dur là, de déplier le dos. Tu pourras m'acheter des outils pour te filmer.
Mon Dieu, enfin, j'ai essayé d'acheter des œufs. Avance pas. Les enfants, j'ai essayé d'acheter des œufs pour Schtroumpfette. Hein. Recule. Tu sais que les Anglais sont désespérés, ouais, qu'ils ne trouvent pas des œufs, c'est drôle. J'ai passé la manivelle. Voilà. Vous avez les mains de la largeur des épaules. Redressez-vous, ouvrez la poitrine, tenez le ventre. Périnée. Équilibrez le bassin. Alors, vous poussez la cheville et le genou vers l'avant. Et si un jour, ça t'a dit quelque chose, tu ramènes les orteils. Voilà. Gérard, Meryl Streep. J'ai essayé donc... Lui de finesse. D'acheter des œufs, et ben ça n'existe plus les œufs hein, par internet. Hein. Ah non. Non. La Schtroumpfette, alors elle est toute Marie. Hein. Elle est quoi? Marie. Elle est toute Marie. Marie. Ça veut dire quoi? Bah, c'est quand t'es désolée d'être Marie. Ah oui, elle est toute Jean-Marie. Elle m'a déjà dit. Elle est toute Jean-Marie. Oui. Parce qu'elle aime ses œufs. Ah oui, alors Schtroumpfette, son plat préféré, c'est le petit déjeuner anglais. Elle mangerait que ça. Si moi, je suis hyper chiant, vous me connaissez, je suis végan. Comme je suis végan, je mange pas des œufs. Végan. Je mange pas des laits. Voilà, je mange des graines. Voilà, je suis un oiseau. Vous savez que les oiseaux, ça mange 3 fois son poids dans la journée. Faut arrêter de dire qu'on mange comme un oiseau. Mais en graines. En graines. Vous savez, le pire, c'est que je l'ai fait pousser mes graines sur le balcon. Ben ouais, je vous quitte, après je jardine. Oh là là. Allez, relâche. On continue dans ces choses incroyables. On va ouvrir les jambes. Mettez toujours les mains dans le dos, poussez les genoux vers le bas. Voilà. Vous ouvrez votre livre là, vous voyez? On ouvre. C'est un livre de pied. Oui, oui, oui. Alors poussez les genoux vers le bas et vous redressez la poitrine. Il se peut qu'à un moment, ça tire à l'entrejambe. Être dessus, être mari. Ah, merci. Qui c'est qui me dit ça? C'est Isabelle Giron. Yeah. Capello. Yeah. La fille naturelle de Maître Capello. Yeah. Qui a eu tellement d'aventures avec les jeux de 20 heures dans toutes les villes de France. Yeah. Isabelle, regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Je veux savoir. Je vous ai manqué. C'est Alain? Oui. Alain de loin? Oui. Ok. Oh, Alain de loin, t'es jaloux. Toi aussi, t'as dit que c'était l'homme le plus beau du monde. Tu m'as dit ça un jour. Non, franchement, les enfants, je vais vous dire un truc. Je me contente de ce que j'ai. Ouais, bah, ça oui, va. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Non, ça va. Non, oh, franchement, je suis pas jaloux. J'ai jamais compris le truc de la jalousie. Jamais. Je suis content. Je suis vivant. Ce que j'ai, ça me va. Voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas jaloux d'un de moi. Allez. Mais j'ai pas dit que tu dois être jaloux. Là, on ne voit rien. Et on va le ramener vers l'intérieur, comme ça. Je vais faire un truc qu'elle déteste. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ah, ça, c'est nul. Voilà, là, et on le ramène vers l'intérieur. Ça vous va? Je continue ma course de cadran solaire. Voilà. Vous avez bien vu mon caleçon? Le mieux, c'est de l'autre côté. Avec la tête ici, les jambes là, parce que tu mets la jambe à l'intérieur, on voit bien ce que tu fais. Vous avez vu comme elle me manipule? Voilà. Je vais faire le 113. Tais-toi, exécute. Pour les coachs bafoués, encore. Tais-toi, exécute, chérie. Comme ça, c'est bien. Comme ça? Ouais, je pense que là, c'est bien. Ah, que j'ai raison. Gardez le pied flex, gardez la fesse au sol. J'ai raison. Refermez le genou. Disait Walking Girl. J'ai raison ou bien j'ai raison? C'est laquelle qui disait ça? Bah, celle qui a le nom de notre fille. Ah, Tess? Oui, parce que Jean-Marie a voulu donner un troisième prénom à notre fille. Le nom du personnage de Melanie Griffith dans Working Girl, si vous connaissez. Tess. Je vous dis pas le deuxième, parce que là vous allez être mort de rire. Les enfants, changez de genre. Vous savez quoi, ce film-là, cette fille-là, elle est extraordinaire, elle est intelligente, elle prend des coupures de journaux comme ça, elle a des idées, mais comme elle est secrétaire, on ne l'écoute pas. J'ai passé ma vie à faire ça, avoir des idées, à les soumettre, hein, qu'on me les prenne ou qu'on me les prenne pas, mais ça c'est moi, Tess c'est moi. Tess c'est toi. Je me tourne, je fais l'autre jambe. Et Régine, tu me dis comment je me mets, parce que moi je suis juste un artiste. Tu fais la même chose? Ouais. Ouais, ok, ouais, c'est bien comme ça. Vous résistez un petit peu à l'étirement, gardez la fesse au sol, vous poussez la jambe vers l'avant et vers l'extérieur, donc c'est la diagonale avant.
Alors, Isabelle dit Jean-Marie, la question n'était pas de savoir si on était aussi beau que notre acteur préféré. Non, tu n'es pas Quasimodo, Isabelle. Loin de là. Mais la question était ça. Qui est votre acteur préféré? C'est tout. T'as compris? Moi, j'ai pas d'acteur préféré. Je préfère les femmes en acteur. Oui, mon acteur, in the most universal way. Ça non, peut être un mec. Ça raconte ma vie, ce qu'on m'a regardé. Ça peut être un homme ou une femme. Non, mais en fait, j'étais toujours motivé, inspiré par les vies des femmes. J'ai toujours lu des autobiographies ou des biographies de femmes extraordinaires. Pas d'hommes. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous sentez la fondue du muscle à l'extérieur de la jambe et sur la fesse? Dites-moi oui, ça sera plus rapide, on passe à autre chose. Ok, on passe à autre chose. Ok, alors regardez. Là. Vous étirez en ramenant les genoux vers vous. Donc c'est non seulement vers le sol, mais vous ramenez vers les aisselles. C'est beau ce que tu as mis comme musique. Ah, alors là, je vous ai mis les comédies musicales en symphonique. Et je pense que ce sont des comédies musicales classiques. Donc on a du Hammerstein. Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I. Ah, génial. Nous rêvons beaucoup dans cette famille. On est bon, ouais, on est beaucoup après le rainbow. Ouais. On est après l'arc-en-ciel ici, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, les enfants, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre une jambe. Alors, vous avez la pêche à la jambe. Comme ça. Vous allez ouvrir la jambe pliée. Alors là, je ne sais pas comment on fait. Ouais. C'est comme ça, je crois que c'est comme ça. Ouais. Voilà. Là, vous voyez, il faut appuyer plus sur la jambe pliée parce que sinon on va basculer, l'autre est plus lourde. Voilà. Pied flex pour protéger le genou. Non seulement vous poussez vers le sol, mais vous tirez vers vous. Résistez un peu à l'étirement, comme si la jambe que vous étirez, vous vouliez la refermer vers le bas et vers le haut. Donc c'est la diagonale, comme ça là, vous voyez? De l'autre côté? Je commence à comprendre des enfants. Je suis nul en géométrie. Ouais. Bientôt, je vais être Jean-Régine. Je vais tout faire. Pied flex. Équilibré bien à l'autre côté. Les deux fesses au même niveau. Ça va? C'est pas le truc là, Mississippi River là, Allman River? Non, ça non. Non, ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble. C'est du même calibre. Allez, relâchez. Roulez sur le côté. Oh, c'est mignon. Mettez-vous en fente. Sur le genou. Sinon, si tu demandes qui est notre coach préféré, je te réponds sans avoir besoin de réfléchir. Jean-Marie Festa. Qui ça? Il est super beau, il a encore de rêves, il est méga intelligent, super compétent et pourtant il doute encore. Lui qui donne sans compter. Bref, je l'aime ce coach. Non mais Isabelle, ça t'as bu? Bois ton thé, ne mets rien dedans. Ne mets pas de whisky. Il va se monter la tête, comme on dit en italien. Ouh là là! Ouh là là! Qu'as-tu fait pour mériter? Et c'est pas encore le 28. C'était cadeau d'anniversaire, ça. Ouh là là! Ouh là là! Mon Dieu, tes cheveux. Enfin, me faites pas des compliments, j'ai pas l'habitude. J'ai pas été habitué quand j'ai grandi chez moi. Mon Dieu, tes chevilles vont enfler, ta gambette va changer. Là là! Les deux fesses sur le même niveau, les jambes de la largeur des fesses. Avancez bien cette jambe. Basculez bien le bassin, puis après vous allez vers l'avant. Je sais pas comment faire avec le compliment, les enfants. J'ai pas été élevée comme ça. Oh là là. Ah, ça non. Je témoigne. Non, j'étais pas là quand il a grandi, mais. Je cours.
contre, t'as mis plein de rayures là aujourd'hui. Vous savez quoi, on va faire l'étirement du triangle mais au sol. Ça s'appelle, en yoga, ça s'appelle la porte. Donc vous allez mettre le genou là, le pied vers l'avant. Ça met votre bassin bien placé, la main sous l'épaule et vous vous étirez sur le côté. Sans coller le bras sur la tête. Tu sais que t'as des rayures en haut, des rayures en bas, des rayures sur la serviette, des rayures sur le coussin. Trop de rayures, tu la rayures. Mais c'est vraiment inconscient, hein. Il y a des rayures sur la nappe. Oui, on la voit pas. Alors la Régine, elle a une étoile là, des cercles. Elle a du camouflage autour de la taille et elle a des carreaux sur les jambes. Ah, moi je suis pas à l'antenne, puis moi... Et moi, elle est critique. Mon association d'imprimé... Le pied flex vers l'avant. Et réfléchis. Bascule de bassin. La main sous l'épaule et tu t'étires. All man river. C'est pas ça, je crois. C'est magnifique. C'est un truc sur l'esclavage, non? Les enfants, vous savez quoi? On va finir par le soleil. J'adore le soleil. Vous êtes comme ça? Ça, c'est la posture de la montagne et vous vous redressez. Ouvrez-vous. Pour mon cadrage, c'est mieux. C'est magnifique avec cette musique. Bon, vous savez quoi, je vous fais un énorme câlin. Merci. Alors, vous savez, ça craque un petit peu sur les coutures en ce moment. Parce que c'est normal, c'est avec tout ce qui se passe. Donc, pardon pour les bêtises que j'ai pu dire. Je voulais simplement vous dire ce que je vous disais au début. Ce programme-là, je l'ai voulu pour les gens qui ne font pas de sport, pour qu'ils soient actifs dans le plaisir et dans la connaissance d'eux-mêmes. Voilà. Ce n'est pas pour tous les sportifs qui ont plein de plateformes pour ça. Bisous, chérie, voilà. Isabelle. Je vous aime. Je vous retrouve à midi pour le même programme, plus corsé. Donc, vous pouvez simplifier si vous voulez. Ce soir, 18h30, je pense que nous avons le cours de yoga avec les postures vers l'avant pour tout étirer à l'arrière. Voilà. Et on adapte parce que vous savez que mon yoga, c'est avec la chaise, avec le canapé, avec... On adapte. C'est pas la peine d'avoir le pied derrière la tête. Même si je sais faire ça. Oui, je vous montre. Regardez. Allez. 1, 2, 3. Photo. Elle veut faire la photo. Oui, je veux faire la photo. Attends. Oh là là, non, j'attends pas. Yes. Allez, bisous, ciao. Ciao. Ciao, c'est fini.